Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Plusieurs m'ont écrit dans le jour pour demander éclaircissement concernant le dossier 4 vaccins Brésil mandéens. Est-ce que c'est seule dose? Est-ce que c'est deuxième dose? Test coronavirus, qui test qui bon, qui test qui pas bon? Le test une test 72 heures de temps, les mouvés au dîner 24 heures de temps, etc. Comme moi toujours imaginé, si il y a 5-10 personnes qui posent une question, il y a n'importe 100-200 qui pas posé, mais qui ont même doute sans tout, qui t'a aimé éclaircissement. Si je dis ou même, ou bien pour voyager vers le Brésil, ou bien connu un monde qui vient pour voyager vers le Brésil, partagez la vidéo ça avec lui parce que c'est sûr que l'information est capable utile. Pas oublier que pour un monde entre le Brésil dans ce moment-là, il y a deux bagages qui sont deux bagages principales, en dehors de questions migratoires, ou bien visa, ou résidence, etc. Ou doit gagner un test coronavirus, on va le voir détail de comment test là doit y être, et puis ou doit gagner tout un 4 vaccins qui dit qu'on complètement vacciné. On parle d'abord du test coronavirus. Nous connaît existé plusieurs types de tests coronavirus dans le monde. Ce pas connait aujourd'hui en tout ça. Pour rentrer au Brésil, il y a d'accord deux tests. Soit ou font test RT-PCR qui gagne moins que 72 heures dans le moment où on va embarquer. Ou bien ou font test antigène qui gagne moins que 24 heures de temps dans le moment où embarqué. Ben vous reprendre pour nous. Yon test RT-PCR qui gagne moins que 72 heures de temps dans le moment où embarqué pour venir au Brésil là, ou bien yon test antigène qui gagne moins que 24 heures de temps dans le moment où embarqué. Si vous faites ça dans le laboratoire ou arrivez au moment de RT-PCR, yon dit nous avons l'autre test là qui c'est même bagaille. Oubliez, c'est pas moun nan kap voyager, c'est ou kap voyager. Si test nan yon ba ou, li papier pas écrit RT-PCR, li pa RT-PCR. Si yon bon papier, li pa marqué antigène, par exemple si c'est en français ou bien en anglais, et puis ou bel pa marqué antigène ou si c'est en espagnol, par contre si bien prononcé, ou bien antigène ou si c'est en portugais, li pa antigène. Donc faut test nan marqué exactement sa pays en mandé, sinon ou capable de problème pour en bac. Et l'on yon problème nan, c'est sûr que laboratoire pa pas résoudre problème nan pour ou, c'est ou kal nan problème. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le test corona n'est pas empêché pour gagner 4 vaccins. Il faut gagner 4 vaccins en tout. Ce n'est pas un ou bien l'autre, non. Il faut gagner tous les deux. Pour le vaccin corona, nous connaissons plusieurs vaccins qui sont appliqués dans chaque pays dans le monde. En Haïti, dans le moment, si nous ne pas, nous avons 2 vaccins appliqués. Nous avons un Moderna et puis nous avons un vaccin Johnson. Vaccin Moderna sont vaccins 2 doses. Ça veut dire que pour vous considérer que vous complètement vacciné, il faut que vous preniez la première dose là. Ou prend deuxième dose là, après soit gagne 14 jours qui passent de deuxième dose là pour capable voyager. Exemple, ou prend dose au 1er novembre, deuxième dose au 1er décembre. À partir 15 décembre, ou capable embarquer sans problème. Mais si c'est vaccin Johnson là ou prend qui c'est seulement une seule dose, ou bon premier dose ou par exemple 15 décembre, 29 décembre qui c'est 14 jours après ou déjà capable voyager sans problème. Si vaccin a 2 doses, c'est laboratoire qui termine de combien de doses, c'est pas payé, non? Et pour finir, prendre 2 doses, ou ok pour voyager 14 jours. Si vaccin a une seule dose, lié, et pour finir, prendre une dose, 14 jours après, ou ok pour voyager. Faut pas oublier tout que après test coronavirus, après 4 vaccins, ou le toujours bien formulaire sanitaire, formulaire que un visa mandé. Si vous embarquez ce domaine, vous devez toujours bien étiquette ce domaine pour embarquer vers le Brésil. Ça va pas gagner pour avec 4 vaccins ou bien test coronavirus. Il faut que vous tout pour embarquer. Coronavirus est venu pour être, il faut aller et faut que nous apprenions à vivre ensemble avec lui dans l'environnement. Pas dire dans nous-mêmes, il faut apprendre à vivre avec lui dans l'environnement parce que chaque pays, de temps en temps, est capable de changer le principe pour entrer la caillou, le principe sanitaire. Donc, si vous avez voyagé vers le Brésil, rassurez-vous bien comprendre ça. Si vous avez un doute, posez agence de voyage qui fait billet en question. Si tu as remarqué, pas satisfait de réponse liant, capable sans problème de ton commentaire en bas vidéo ça. Il est plus disponible, n'a fait effort pour nous répondre. Soit répondre dans la vidéo ou bien nous répondre dans le commentaire là, même pour capable éclaircir. Parce que si je dis en rivière, quand on perd du vol, problème, ça nous connaît. Nous connaît qui ça, ça veut dire. Moi-même personnellement, ça a été déjà, nous avons embarqué l'année passée. Moi, je arrivais avec un test qui seulement marqué PCR, il n'est pas marqué RT-PCR, m'oblige pas qu'à embarqué dans le jour. Heureusement, billet sale, tu es capable de remarquer, même au moment où tu fais mon effort, tu fais remarquation pour moi, et moi embarqué dans le jour suivant. Ça te fait un jour en plus Saint-Domingue, un jour hôtel en plus, etc. Il y a une situation qui me pense que aucun monde ne peut pas arriver. Si vous voyagez, rassurez-vous que vous avez tout document, ok, chaque pays a mandé.
Pour les gens qui ont une résidence avec un passeport, c'est vrai que le Brésil met une exception dans le décret ou pas obligé de gagner pour embarquer. Problème de compréhension, problème d'interprétation, problème de ne pas parler langue, capable de faire arriver dans un pays, par exemple, pour essayer de ne pas embarquer ou pas défendre tête. Ou bien, les gens qui sont contrôlés ne parlent bien comprendre la loi, ils choisissent de bloquer malgré un passeport de résidence. Non, malgré un passeport brésilien ou une résidence brésilienne, ils choisissent de bloquer de façon qui n'est pas normale, qui n'est pas correcte. Mais le temps que vous allez expliquer ça, si vous arrivez contre la bonne heure, contre le temps passé sous ou perdre du vol, la situation est toujours compliquée. Même que je dis qu'il y a une résidence dans le ou qu'il y a un passeport dans le malgré qu'il n'y a pas de mandat, s'il est possible pour dégager, prendre un vaccin au moins 14 jours avant que vous voyagez. Heureusement, en Haïti, il y a un moment d'après ça, plusieurs m'ont informé que ce vaccin Johnson n'a pas appliqué, qui seulement bon, on a une dose 14 jours ou qu'il y a un. Ou est-ce que vous êtes prêt ou que vous voyagez? Si vous avez une question, n'attendez pas dans le commentaire. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. Ça. Merci à vous qui avez partagé la vidéo ça, avec des gens qui pensent qu'il y a besoin d'informations. En plus, le monde tout le temps, Jonas, ou bien menti, Jonas sortit, c'est pas ça. Jonas, est-ce qu'on travaille fédéral? Je vais vous expliquer ce que le fédéral, je vais vous faire une vidéo sur ça. Oui. Je prends mon service, je quitte le lien de crèche que le Brésil a sorti pour nous dans la description de la vidéo. Si on a supposé menti ou bien supposé que l'information ça, ou pas comprendre côté de jeune, parce que si on fait information, je quitte le lien pour vous. Si ça n'a pas dérangé, on va commenter. N'importe façon, en bas de la vidéo, prends ça, lis ça qui est écrit pour que si c'est différent de ce que nous avons dit avant de commenter. Merci en pile, on va vous dire dans la Samazan après une autre vidéo.